Tu veux plaisanter?
Ah non, ah non. J'ai été assez patient. D'accord? J'ai été assez patient. Bon. Comment? Un enfant de Christ. Mais ça, jamais je suis pas d'accord. Parle. Parle vite. Je vais te dire quelque chose. Mais si tu ne changes pas de comportement, je ne garantis plus ton ticket dans mon service. Ah. N'est-ce pas? Oui. Quand je change de comportement. Oui. Ok. Rassure-toi. D'ailleurs, j'ai échoué à mon examen. Et n'ai plus d'illusion sur tes précieuses recommandations. Mais attends, tu penses me primer sans crainte parce que je suis orgueilleuse du père? Tu savais faire des choses que tu faisais? Moi? Ouais? Non. Et je n'ai rien essayé de toi? Non. Tu n'es plus une enfant? Non. Tu es responsable de ce qui m'arrive. Tu as abusé de ton influence de patron. Moi responsable? Toi, oui. Moi responsable? Un homme marié, polygame. Et puis voilà, voilà. J'ai été assez patient pour toi. Change de comportement. Sinon, tu le mets la vie ici. Non. Calme-toi. Je ne vais plus rester ici. Mais sache que les pauvres aussi savent se défendre quand on les pousse au désespoir. J'ai crié partout dans les familles et tu trembleras, toi aussi, tout puissant patron. Depuis plus d'un an, tout le monde est au courant de notre liaison. Tu ne pourras pas le nier. Tu trembleras! Non. Tais-toi! Ne cesse de proférer des menaces inconsistantes! J'ai été assez patient! J'ai été assez patient! Sors gentiment de mon bureau et c'est fini, l'incident sera clos! Je ne sortirai pas! Ah bon? Tant que tu ne m'auras pas dit ce que je te dirai! Sors gentiment avant que je ne parte! Je n'en ferai rien! Après m'avoir bafoué, jette-moi maintenant la rue. Cela te ressemble pas bien. Quant à moi, je ne bougerai pas d'une semaine. Monsieur le ministre, ne m'abandonne pas. Et ne tentez surtout pas de